m'appelle Marie-Josée Drapeau. Je suis candidate au doctorat à la Faculté des sciences de l'administration, au département de management et plus particulièrement en entrepreneuriat. À cause de la pyramide inversée, les boomers s'apprêtent à quitter leur entreprise. Donc, il y a beaucoup de boomers qui ont des PME, qui sont dirigeants de PME. Et là, il y a des statistiques qui sortent comme de quoi on va manquer de repreneurs dans les prochaines années au-delà de 40 000. Ce qu'on dénote, c'est que les dirigeants de PME ne planifient presque pas formellement leur retraite de leur entreprise. Alors moi, je me suis intéressée justement au processus de décision de sortie entrepreneuriale de ces dirigeants-là, mais dans un contexte de transmission d'entreprise. Vous avez une première étape où est-ce que l'identification d'un problème ou d'une décision qu'il faut prendre. Vous avez également une étape de développement de solutions où on va regarder qu'est-ce que je pourrais faire, c'est quoi mes options. Et finalement, la dernière étape, c'est l'étape de sélection du choix. Donc, c'est souvent cette étape-là qui est utilisée dans la plupart des recherches ou même au niveau des études sur le marché pour voir est-ce que le dirigeant, il choisit quoi. Donc, on va étudier surtout cette étape-là. Quand on démarre une entreprise, les entrepreneurs, ce n'est pas des gens qui sont tout à fait logiques et très rationnels dans leur choix. Ils vont utiliser plus leur créativité, les ressources qu'ils ont à leur disposition et aussi leur instinct, leur intuition pour pouvoir lancer un produit ou un service. Donc, j'ai repris cette théorie-là au niveau de la décision justement de sortir de son entreprise pour voir si elle s'appliquait également. Il faut miser sur le fait que ces entrepreneurs-là, ils ont des réseaux très développés et qui vont surtout se baser sur ces réseaux-là au niveau de la prise de décision.